Bonjour à tous sur casman.fr. Alors, mon projet là, c'est de créer un nouveau câble pour Atari STF et STE, sachant que j'en ai qu'un et que j'ai plusieurs Atari, donc j'ai besoin d'autres câbles. J'ai voulu en modifier un où j'avais un affichage, je vous montrerai en image un affichage normal avec ce câble, mais derrière, à la place d'avoir du blanc, j'avais du bleu. Donc je pense que c'est un autre format, soit c'est pour un STFM, soit c'est le câble qui est défectueux. En testant les pins du câble, il y avait des petits défauts, il y a des choses qui ne correspondent pas. Je pense que la fiche 13 broches est défectueuse. Alors, je vais m'atteler à celui-ci, donc je vais créer un câble. Donc je prends une prise Péritel complète avec toute la connectique, tous les fils sont présents au niveau de la fiche. Et derrière, j'ai démonté donc sur une fiche que j'avais une broche 13 pins et je vais faire les soudures en fonction du montage du câble que j'avais déjà et qui fonctionne parfaitement sur ASTF et STE. Alors, je vais tenir compte de ce câble-là, de ces références-là. Ça, c'est mon câble Atari STF qui fonctionne parfaitement et qui fonctionne aussi sur le STE. Donc je vais faire attention parce qu'il y a quelques broches qui ne sont pas connectées. Je verrai si j'en ai vraiment besoin ou pas. En tenant compte aussi d'un autre câble que j'ai trouvé sur internet où ça parle aussi. Voilà, ce câble-là qui ressemble quasiment au mien. Sauf qu'il y a des fils qui sont non présents ici par rapport à mon câble à moi. Donc je vais faire le tri, je vais voir si ça fonctionne. Donc je vais faire déjà un montage minimaliste avec la base. Avec mon câble, avec le mien, avec mon schéma, et je vais voir si ça fonctionne en tenant compte des couleurs. Et si ça fonctionne sur les deux STF et STE, ben c'est parfait. Si ça ne fonctionne pas, je vais compléter avec ceux qui me manquent. C'est surtout des masses, une masse et un autre câble à l'intérieur. Voilà. Alors, projet à suivre en vidéo. J'ai dû corriger le câble de masse
il n'y avait pas de contact, il y avait du plastique autour et ça faisait pas de masse entre ce que je vais brancher là pour la masse de la prise DIN 13 broches et la masse de la Péritel. Donc encore des choses pas bien fabriquées. Donc là j'ai refait la soudure, enfin j'ai repincé comme il faut, j'ai enlevé le plastique et là c'est bon, j'ai un contact entre les deux. Voilà. Voilà, j'ai terminé mon câble, je vais pouvoir le tester. Parfait. Là, j'ai créé donc un câble. Il n'y a pas de problème d'image sur ce type d'écran. Donc ça fonctionne. C'est parfait. Je vais finir le montage du câble. Donc je vais mettre les protections et je vais terminer tout ça. Je vous montrerai le résultat final. Mais en tout cas, ça fonctionne. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Mon câble vidéo pour l'Atari 1040 ou 520 ST, F et STE fonctionne parfaitement. Donc je vous mettrai les plans, mes croquis pour le final, pour vous aider à faire le vôtre. Pour moi, il n'y a pas de souci, il fonctionne très bien sur un écran LCD d'ancienne génération et sur un écran TV moderne de moins de 5 ans. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Casman.fr.